va être puissamment béni ensemble dans la présence de Dieu. Si quelqu'un veut être béni, qu'il acclame le Seigneur. Amen. Voilà, rencontrer le parfait. C'est le titre qui est final pour cette semaine. Rencontrer le parfait. On a dit combien est-ce que le parfait, c'est Jésus. Jésus, il est le parfait. On a fait le distinguo entre le partiel et le parfait. Et on a dit combien on a troqué, on a échangé le parfait pour le partiel. Combien on a pérennisé toute son énergie. On a dépensé son temps. On a dépensé sa capacité. On a dépensé son potentiel pour le partiel. Entre-temps, le parfait est négligé. Il est sous-estimé. En Corinthiens 13, versets 9 à 10, notre connaissance est partielle. Amen. Notre connaissance est partielle. Notre prophétie est partielle. Tout ce qu'on voit avec les yeux est partiel, est temporaire et éphémère. Les choses vues sont temporaires. Les choses vues sont éphémères. Les choses vues sont là pour faire court et non pour faire long. Mais le jour où le parfait arrive, tout ce qui est partiel doit disparaître. Quand le parfait arrive, le partiel doit disparaître. Amen. Je déclare sur votre vie, le parfait va arriver. Le parfait va arriver dans ta vie pour éliminer la maladie, la pauvreté, la galère et la misère. Le parfait va arriver pour enlever la confusion. Jésus, il est le parfait. Il est le réel. Il est le véritable. Il est le vrai Dieu. Le parfait doit arriver. Le parfait doit régner. Le parfait doit saisir ton cerveau. Le parfait doit prendre ton cœur. Il doit prendre ton âme. Il doit prendre ta pensée. Le parfait doit régner sur ta maison, sur ton corps, sur ta famille, sur ton église. Le parfait doit régner sur Haïti. Il doit régner ici. Le parfait doit partir. Il doit partir au nom de Jésus. C'est le temps pour le parfait. Jésus, il est le parfait. Acclamons sa présence. Moi le parfait, oh le parfait. Est-ce qu'on croit dans ce matin, Jésus est le parfait? Amen. Il est la perfection. Il est le véritable, le chemin, la vérité et la vie. Quand le parfait arrive, tout ce qui est partiel doit partir. Le mariage entre un homme et une femme est partiel. L'homme peut mourir, la femme peut mourir. Quand le vrai mari qui est Christ va venir pour se marier à son église, c'est le réel, c'est le véritable. Oh, une relation qui va durer éternellement. On doit se focaliser sur le réel, sur le véritable, sur le parfait. Jésus est le parfait. Acclamons sa présence. On doit rencontrer le parfait. On a vraiment mis en place des stratégies, des subterfuges pour rencontrer les choses partielles, pour se connecter avec des gens partiels, des gens temporaires, des relations temporaires, des contacts temporaires. On doit se développer, on doit se préparer pour rencontrer le parfait qui est Jésus. Amen, amen, amen. Yes, allez avec moi. Luc 19, verset 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Dis-moi amen. Ok, on voit un homme. On voit un homme qui en avait assez de lui-même. On voit un homme qui en avait assez du mal. On voit un homme qui en avait assez de sa capacité. Il a dit, je veux rencontrer le parfait. Il s'appelait Zachée. Il arrivait le jour comme il enseignait au temple. Il évangélisait. Et il entra dans Jéricho.
Il traverse la ville. Et voici un homme appelé Zachée. C'est avec moi. Voici un homme appelé Zachée. Il était un publicain. Il était un publicain. Un chef de publicain. Il était riche. Amen. Voici un homme qui était riche. Qui avait des relations. Qui avait des contacts. Qui avait des moyens économiques. Qui avait des connexions gouvernementaux. Un homme qui était bien connu. Un homme qui était bien cadré, bien connecté. Cet homme-là, il était riche. Il était un publicain. Mais il cherchait à voir le parfait. Il a réalisé que ses biens étaient insuffisants. Il a réalisé que sa connexion était insuffisante. Son argent était insuffisant. Alléluia. Ses exploits étaient insuffisants. Il a dit, je veux rencontrer le parfait. Il cherchait. Cela veut dire qu'il a mis en place les lois, les clés, les principes, les méthodes, les stratégies pour rencontrer le parfait. Il ne pouvait pas à cause de la foule. Il a voulu rencontrer le parfait. Il y avait un blocage. Dis-moi blocage. Il y avait des embûches. Il y avait eu des problèmes. La foule était nombreuse. La foule était dense. Il ne pouvait pas rencontrer le parfait. Car il était de petite taille. De petite taille. Une espèce de race bitume. Zachée était de petite taille. Mais il n'a pas laissé les contrariétés, les blocages, l'empêcher à rencontrer le parfait. Il a défié la foule. Il a défié l'obscurité. Il a défié le blocage. Il a défié l'impossibilité. Il a défié les barrières. Il a défié les murs. Il a dit, je prends ma décision. Je veux voir le parfait. Ah! Il a défié tout ce qui est humain. Ah, il a cassé le status quo. Il a désarmé le status quo. Et il est parti à grande foulée. Je veux voir le parfait. Et il monta sur un sycomore pour voir le parfait. Car il était passé là. Et quand il fut venu à cet endroit-là, Jésus regarda le vide. Il était au bon endroit pour être vu par Jésus. Dis-moi amen. Il était au bon endroit pour être vu par Jésus. Jésus a dit là, toi là, tu fais là, dis-moi, tu descends vite. Alléluia, toi là, tu fais là. Vite fait, descends. Je veux rentrer chez toi. Vite fait. Il s'est dépêché. Il est descendu le sycomore. Et Jésus est entré chez Zachée. Dis-moi amen. Zachée descendait vite fait. Jésus, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et ils descendirent à la hâte et leur reçut avec joie. Et voyant cela, tout murmurait en disant qu'il était entré chez un pêcheur pour y loger. Zachée se tenait là. Il a dit au Seigneur, voici mon Seigneur, je donne la moitié de mes biens. Il a rencontré quelqu'un qui est plus grand que les biens matériels. Il a rencontré quelqu'un qui est plus grand que l'apparence, qui est plus grand que les maisons, qui est plus grand que la possession, qui est plus grand que les choses visuelles, les choses vues. Il a dit, je veux tout abandonner. Je veux tout remettre. Je veux tout livrer pour recevoir celui qui est parfait. Dis-moi amen. Il a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le centuple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. Zachée a remis le partiel. Il a donné le partiel pour recevoir le parfait. On ne peut pas garder les deux en même temps. On ne peut pas garder les deux. Amen. On veut garder.
garder la présence de Dieu. On veut garder la parole de Dieu. On veut garder la puissance de Dieu. On veut garder l'onction de Dieu. Et là, on veut garder les regrets. On veut garder les machins. On veut garder encore les fétiches, les marabouts. Non, il faut qu'on livre le partiel pour opérer dans le parfait. Et moi-même, Zachée, il avait un problème là. Il avait un problème à son problème. Il était un peu rasbitume. Il était très court. Et la foule était dense. Dans une foule, les gens courent, sont passés inaperçus. Est-ce qu'on peut voir ça, hein? Dans une foule, les gens de petite taille sont passés inaperçus dans la foule. Mais Zachée n'a pas laissé l'impossibilité lui bloquer à rencontrer le parfait. Zachée a brisé le status quo. Zachée a brisé tous les obstacles. Il a brisé toutes les impossibilités. Il a brisé tous les problèmes. Il a défié l'impossibilité. Il a défié le nom de l'ennemi. Il a défié le nom de la société. Il a défié le nom de la foule pour rencontrer le parfait. Il a trouvé un moyen pour défier le status quo. Il a trouvé un moyen pour défier l'impossibilité, pour défier la contrariété, pour défier les blocages, pour défier les problèmes. Et moi-même, il a trouvé un moyen pour voir le parfait, pour rencontrer le parfait, pour attirer le cœur du parfait, pour se connecter avec le parfait, pour recevoir le parfait, pour vivre dans le parfait. Les hommes de petite taille sont invisibles dans la foule. Ils ne sont pas vus dans la foule. Mais Zachée a dit non. Non. J'en ai assez de la contrariété. J'en ai assez du blocage. J'en ai assez de l'impossibilité. J'en ai assez de la maladie. J'en ai assez de la pauvreté. J'en ai assez du péché. Aujourd'hui, je dois voir le parfait. Ceux qui ont connu des exploits dans la vie sont ceux qui en ont marre de leur état. Ceux qui en ont marre de l'impossibilité. Ceux qui en ont marre de la contrariété. Ceux qui en ont marre de la maladie. Ceux qui en ont marre des blocages. Ceux qui ont dit non, je suis prêt à défier le status quo. Cela a été comme ça pendant 40 ans. Moi, je dis non, je défie ça au nom de Jésus. Mon papa était passé par là. Ma maman était passée par là. Moi, non, je défie le status quo. Je casse le status quo. Je brise le status quo. Je dis non au status quo. J'en ai marre du status quo. C'est comme ça qu'on va avoir le parfait. Mais là, si on est confortable, ton papa, il est décédé du cancer. Et ta maman est aussi décédée du cancer. Et ton grand frère est mort de cancer. Ta cancer est morte de cancer. Et tu dis, moi également, le cancer va me frapper. Tu portes ça sur le bras, tu vas mourir avec le cancer. Tu vas mourir comme ton papa, ta maman, ton frère et ta soeur. Mais si toi là, tu dis, non, je brise le status quo. Je casse le status quo. Je défie le status quo. Moi, j'ai un autre héritage. Un enfant du Seigneur. Racheté, élu, choisi, sélectionné, appelé par Dieu. Le sang est sur ma vie. Couvert par le sang de l'agneau. Non à la maladie. Non à la familiarité. Non à la pauvreté. Non au cancer. Non au diabète. Non à la pression de la rencontrer le parfait. Il a dit, j'en ai marre des bêtises humaines. J'en ai marre de cette étiquette de péché. Je suis un pécheur, un menteur, un voleur, un critiqué. Alléluia. Un accusateur. J'en ai marre de ça. Je dois rencontrer le parfait pour que mon histoire soit basculée, soit chamboulée. Un voleur comme Zachée étant devenu un écrivain d'histoire. Un écrivain d'histoire parce qu'il a rencontré le parfait.
Es-tu prêt ce matin à défier le status quo? Es-tu prêt ce matin à défier le status quo? Es-tu prêt ce matin à casser le status quo? Es-tu prêt ce matin à désarmer le status quo? Au nom de Jésus, le status quo va être cassé, brisé, défié, désarmé au nom de Jésus. Car je fais partie de ceux qui tuent les géants. Je suis un tueur de géants. Je suis un tueur de géants au nom de Jésus.